Vous comprenez donc, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté, mais seulement que beaucoup n'ont pas cru à son combat. Les gens le prenaient comme un maladie mentale, comme un fou. Donc les gens ne croyaient pas en lui ce qu'il disait. Du fait qu'il était aussi même trop attaché. Le chef de l'État ne croyait pas en lui aussi. Il faut raison pour laquelle on se dit Deyo. Il n'a jamais été demi de presse. Donc vous ne sacrifiez pas les mandats pour vous dire combat. On même va travailler. Vous pouvez savoir une diaspora. Mais il a la capacité. Quelle capacité? Il a la chômage. Dénuer salarié dans la chômage. Il a combien? Il a 80 dollars. Il y a même agence à pub. Il a 400 euros. Mais agence, ni diplomate, il y a Vaïa na Congo. Agence, on a plus besoin de diplomate. Et il y a Vaïa na Congo. Vous voyez bien, on ne peut pas faire ça. Et ça, on a première vie. Agence, il n'y a plus la même. Au moment agence, il y a trois panneaux, mais l'agence, il y a bien plus. Quelle est l'infraction au moto à commettre, au conducteur à moto à commettre soit côté gauche? Kilimbalimba ya tangi droit. Aza bidok na droit. Aza licencié, aza avocat, aza nyonso. Pour Kilimbalimba la tiba compétence nyonso. N'a été na qualifié, n'a été domaine de formation, n'a été, mais n'a moulé Kilimbalimba ebi nyonso. Alors, Aïb Sabiso, moto à kumbi, moto à côté gauche, ça l'infraction. Donc vous êtes d'accord, Naïb? Deuxièmement, moto à mémi passager, à ça l'infraction. C'est que Kilimbalimba ça là, il y a un petit d'affront qui lui a été de prison. Arrestation arbitraire. Détention illégale. Kilimbalimba c'est un OPJ. Il est général dans le cadre des armées, mais il est OPJ quand il inscrit le dossier. Donc il faut déposer plainte, c'est Nyonso. Pour leur manifester mes condamnations. Parce qu'actuellement, il est impossible, quand même pas difficile. Bienvenue en tous, en tout cas un bon lundi, hein, un excellent début de semaine chez vous. On va parler nation, avec M. Kevin Obasi. Avec lui, on va essayer quand même de vous dire un peu plus hein, sur la cérémonie d'hommage à Nema Nassemi que nous tous nous connaissons, l'homme qui avait cette fauve, comme il faut le dire. De dire un certain nombre de choses, surtout ce qui n'est pas bien, ce qui se passe en République démocratique du Congo, que lui n'appréciait surtout pas. Et puis on va revenir avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et avec monsieur, je l'ai bien dit, Claudine Lassi. Bienvenue, bonjour. Bonjour madame, je vous salue. Je salue également les techniciens qui sont derrière les caméras, parce que grâce à eux que nous allons également atteindre les téléspectateurs et tous les compatriotes qui vont nous suivre. Je salue également tous les compatriotes du Congo. Je salue tous les compatriotes de Tchango, plus particulièrement de Njili, parce que là aussi j'étais candidat. Malheureusement, je n'ai pas été proclamé, mais j'ai fait au moins 3300 voix, ce qui n'est pas facile, surtout que c'était la toute première expérience électorale. Mais je crois que nous continuons la lutte. Nous sommes également des Claudine Obasi fait également partie d'un groupe de pétitionnaires d'un groupe de pression d'abord, un groupe de pression qu'on appelle l'opinion publique, constitué, je crois, les monsieur Bilang, hein? Oui, c'est ça. Un groupe de pression qu'on appelle opinion publique, constitué des gens du pouvoir comme de la majorité, mais réunis pour un objectif commun sur la gestion, comme un parlementaire, comment dirais-je, c'est comme des parlementaires qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale, juste pour contrôler et avoir un panel ici, les gestionnaires des entreprises publiques, les gestionnaires des services publics de l'État. Nous avions commencé notre première activité avec les comités de gestion de la SNEL qui ont été mis sur pétition. Bon, jusque-là, lorsque vous commencez pour parler, c'est tout à fait normal que vos armes soient un peu mises à terre parce que c'est quand même des négociations. On avait fait un tour également à Tchango pour vérifier les installations. Mais nous sommes rendus compte que cette la SNEL n'est pas totalement responsable, mais nous les tenons aussi. Pourquoi? Parce que c'est à elle de nous fournir l'électricité, étant que cela est garanti par la Constitution, le peuple congolais a droit à l'eau et l'électricité, eh bien, pour qu'il était également, puisse se faire sentir dans la société ou au sein de la population, doit également nous fournir l'électricité. Donc, que les gens sachent que, pour arrêter la pétition,
Mais tout est assez en attendant que le comité va pour parler. Si le moratoire qui sera donné n'est toujours pas respecté, que les conditions ne sont toujours pas respectées, nous allons répondre avec la Pétition pétition contre contre le comité de gestion de la SNED de qui a été l'ASNEF. lancée. Mais actuellement, tout est normalement cessé les faits parce que nous en va pour parler. On avait visité les installations. Et bon, en fait, la seule différence avec nous, au moment où on a critiqué le comité de gestion, c'est qu'on a déjà eu l'usine. Malheureusement, tout le monde a été. On dit tout le monde a été pour quelle intention il y a corruption dans la tête. Tout le monde a été déléguée directeur provincial, il y a SNEL. C'est avec lui qu'on a fait les tournées à niveau Yakin Est. Je crois que nous allons aussi continuer à Yakin Ouest et puis pourquoi pas aller aussi voir ailleurs. Mais comme tout le monde dit, pour parler dans Bango, il y a également cahier des charges. C'est-à-dire cahier des charges, ce n'est pas ma poste. Hein. Mais c'est juste lié à problème. Là où ma disjoncteur a un problème, si il pose un abacamo, il y a bon place au Yébi, on peut communiquer, puis ça peut aussi nous aider pour que tout bâti ça. Ma Non, mais il faut quand disjoncteur, ma même dire que câble, le ainsi problème de à Congo, suite. de toucher le problème, de toucher Congo, le nion de Exactement. Bango. Et de toucher ma Congo, le Et ça fait nion, tellement mal aussi par rapport à la gestion où tout le monde en haut, voilà. tout ce Donc, monde quand on bête. nomme quelqu'un, on ne le nomme pas pour venir se plaindre, mais on le nomme pour trouver des solutions aux problèmes, parce qu'on estime qu'il y a des problèmes qu'il faut remplacer, parce que la personne qui est là n'est pas en mesure de donner les solutions. Voilà pourquoi on avait nommé le nouveau comité de gestion, qui malheureusement, toujours senti un changement. Par contre, on dirait qu'il y a des sous-soudans. Il y a aussi certaines pratiques, il y a gens signés, jour où on a qui tant besoin de l'essage, jour où on a besoin d'électricité, tout le monde a de l'essage, il y a des courants, puis si on a des sous-courants, donc le système a coûté qu'à courant. Ou à Tegiline, à parfois ça vous arrive à minuit, tout ça, vous chargez votre téléphone. Dans 5 heures, pour écrire, pour courir comment le rôle la femme de nuit, à la bouteille dans 5 heures. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que situation où il faut changer tout va pour améliorer un moment où il y a Bon, la situation qui s'améliore à 100%, mais la situation qui s'améliore ne fiche qu'à un niveau, il y a un câble. Parce que, certes, même ceux qui matière retient un câble, ils en ont été, mais il faut que nous câbles à la malade. D'abord, on a un problème de câble, et puis qu'il faut se prendre en charge. Surtout, il y a des courageux dans chaque quartier, dans chaque avenue. Ce câble ziki, binom fubo ça beaucoup beaucoup on l'emboîte dans le quartier. Ce câble et baby, fubo ça là. Ce disjoncteur qu'il faut, même mon casse là, matière disjoncteur, il faut beaucoup le moins transport. Alors que nous payons les factures à la fin du mois et facture de futara, ils ont également la frais de fonctionnement SNL. Donc ces agents-là sont payés dans ce que nous payons. D'accord, nous allons y Donc, revenir voilà. quand même, Monsieur Petit. Je vais aller solo, il y a des menacés, des menacés, mais oh non. Je crois que ça fait combien de temps déjà, Akufi est-il de l'eau à Koundiéna, enterrement d'Aïzali Lobby, c'est ça? Oui. Lobby de Yébi est quand même un grand homme qui a lutté quand même hein, pour que Mbokalabusso pour se positionner aussi, surtout le plan aussi, parce que faut quand même le dire, moi j'ai eu en entendre un jour une interview d'Aïe, je me suis dit, waouh! Cet homme, quand même, il réfléchit, il est tellement intelligent. Je l'ai vraiment écouté. Ça m'a étonné parce que tout ce que les gens disaient de lui, ils ont vraiment autorisé pour moi la catégorie. Mais pourquoi ça a pris autant de temps, pas pour d'ailleurs seulement maintenant, après tout ce temps où il a opéré? Je crois que c'est ça qui est présentation. Je suis également déposé à la Ligue des jeunes. Il y a parti notre bien une nouvelle dynamique comme NDK en sigle. Il y a mon ambo honorable parti Matézo Diantézo, ou Azali fils politique et idéologique qui a né moi d'enseigne. Azali également dauphin, au moins ancien ma consagrada, le 4 janvier 2016, dans le palais royal, comme dauphin naé, parce que vous savez, à cette date-là, mon ancien s'était retiré de la politique, il voulait s'occuper de la spiritualité. C'est pourquoi il avait désigné Mantezo comme étant le dauphin politique et idéologique de continuer la mission. Parce que mon ancien a une mission très précise dans Mabilo et Yassé, qui pour donner à l'RDC l'indépendance économique. Voilà, si mission est Là, il faut votée, l'indépendance économique. Là, il indépendance faut l'envoyer, économique. ça va né Congo, place T. Non, c'était l'indépendance. En fait, quand on dit le né Congo, nous aurons un sens à Bas Congo. Le né Congo qui est dans un sens, il y a Royaume Congo. Parce C'est que ça? avant que tout comme la RDC, il y avait royaume. Il y avait les royaumes Louba, Lunda, Royaume Congo et Non, lui, autres. quand il parle de né Congo, c'est pas par rapport à Batazan, à Bas Congo, Kounaté. Non, pas par rapport à Bas Congo. Ah. C'est par rapport les peuples bantous dans l'ensemble. Parce que tu en as un Niloti, tu en as bantou. C'est par rapport aux peuples bantous qui parlaient de ça. Alors, Némona Nsemi, c'est parmi les piliers.
ezan bato ba ba bundi na mboko lokwani monase mbalite monase mapesa ki soki loto kaka ba monase lorsqu'il a milité pour le fédéralisme peut-être magamu ya eso tuzo vya ngote. Pourquoi? Parce que monase m'avait également dit pour trouver la son autonomie baza n'était pas autonomie ba na ngoza un peu précaire et baza la totalement libre de ne pas dépendre totalement au pouvoir central. Mais aussi il avait également sollicité à ce que tout le monde là-bas ba frontière coloniale parce que l'homme blanc en quelque sorte devait nous diviser. C'est la même chose avec les découpements ya ba et découpage ya ba province. Bon là il y a bandundu bo binga nyoso ba yaka. Mais par rapport nous ba congolais oyo ba tsuki ya mai ndombe donc directement on vous sépare par les frontières. Comprenez? Alors quelqu'un qui se disait za mubiyaka. Le lo ba mo bengi mutakwango. Soka ke le lo na kaza mutakwange na mai ndombe akome étranger. Admettons que ma indo me commis pays, donc quoi qu'on t'en a ma indo me force à visa. Force à n'a pas c'est bon. Ça devient très compliqué aujourd'hui. Donc, ces frontières-là, qu'on séparait Bissot. Il a donné une histoire qui, et c'est dit ça Batou, mais c'était vrai lorsqu'il a mené les enquêtes avec Babouvier. Quand on va commis na un mot comme moi, na l'ouosi, bah, se rendre compte que, là, si frontières, les alliantes Congo, RDC, na Congo, Brazza, la frontière est passée na cimetière. Où il y a un chef coutumier qui a été enterré là-bas, mais dans ce cimetière chef coutumier, on se rend compte que Moutouna est dans la Brazza, mais on connaît dans la Congo. Vous comprenez un peu? Alors, et c'est un peu battu, mais c'est une réalité. Alors, le chef coutumier là, quand on a scindé, dans ma population, elle s'est trouvée dans la Brazza, dans ma population, elle s'est trouvée dans la Congo. Donc, vous avez créé une séparation indépendamment et volontaire. Donc, combat na Ezala Kizaki consistait à quoi? La libération du peuple noir. Pourquoi pas c'est Monase Mazali ba descendait ba ya ba Kwame Nkrumah. Monase ba qui ko continuer lutte ya panafricanisme. Monase ba qui ko continuer, il n'était pas le seul hein, mais na était na période na zaki mo parce que banda tant ba Kwame Nkrumah banda combat na ba Sidi Touré na ba Kalonji Mulopwe avant ba Lumumba ba rejoindre. Déjà il bato ba lek ba pilier ya panafricanisme, les gens qui devaient défendre les valeurs panafricaines. Qui devait défendre notre équipe. Vous allez voir aujourd'hui. Malgré nous, sur mon roi qui nous. Vous allez voir aujourd'hui. Regardez même l'habillement de nos filles. C'est contre notre mœurs. Qui a tué mon assemblée? Parce que quand même, dans la bouche de tout le monde, tu vas aller confiser Moutoumoko. J'aimerais quand même l'entendre. Moutaronani. Moutaronani. Non, mon assemblée n'a pas été tué. C'est une mort naturelle parce que. Avant à rendre Amnaé à Soufaki pendant longtemps, à l'hôpital il y a 51 ans, on ne voulait pas le dire. Il a créé, moi, psychose mon goboué, il a souffert pendant longtemps. C'est moi qu'on gardait qu'il était malade, On ne voulait pas qu'il va être malade sérieusement. En fait, moi, dans ce ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a même secteur, il y a un Koufi, famille Panzani, parti, moi, c'est Kimi, moi, c'est Liboma. Ce que les gens doivent savoir, et mon ancien n'a vécu qu'une seule femme qu'on appelait Yaya Sekimina. Oh, babou, t'en es bas, n'y a pas de docteur, t'es mis, toutes ces jolies filles. J'évolue. Dans le cadre du mouvement, cette dame-là qu'on appelle Lubondo, là, qui est servante de mon ancien, donc servante, il y a couple avec Yaya Sekimina. Alors, nous comme servante, on est un peu relou là, Libala, qui a commandé pour moi ça, mon ancien. Avec le récit, qu'on a pour moi ça, mon ancien. Alors, première mission, là, comme hier, c'est qu'il y a le roi qui n'en a pas. Avec les enfants de mon ancien climat, il y a des abeilles. C'est pourquoi il avait également milité à ce que, comment dirais-je, bah, mon ancien, bah, le roi pendako. Jusqu'à ce que, bah, mon ancien, bah, il y a le roi pendako, bah, tu sais, là, il y avait également les gens qui étaient dans la partie même l'église, il y a BDK, parce que mon ancien avait BDK et BDM. BDM, ils ont parti politique, BDK, des alliés, église. Alors, bah, tu vois, mon ancien qui est comme servant, tu vois, il y a Bakoumé va témoigner na pour lui, raison pour laquelle il a également milité pour qu'il va tomber kende. Entre autres, c'était bah Papi Mantezolo ou qu'il fallait bah kende. Alors, bah Papi Mantezolo bah on l'a bah on va y bakéi parce qu'il fallait tika là à mettre pour qu'à régner. Donc voilà ce qui a été. Alors lorsque mon ancien est mort, et ça lui que lui-même a fui. Attends la dame, c'est qui mine le loup bondé mon gars qui m'a dit pourtant mon ancien m'a confié bah na baye kozonga nanda. Bazongi na maman na baou nanko. Alors, ce qui fait que lui n'avait plus de place. Mon ancien, 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 mon anc
Non, moi, pouvoir traditionnel. D'ailleurs, il y a un pouvoir. Parce que l'oubondé est venu mélanger ma tradition et mon ancienne science occulte, ma pratique, ma qui saute bien en bas kindoki. L'oubondo. L'oubondo, oui, mais vous allez vous rendre compte que c'est à partir de 2016 que mon ancien va aller sur ma caste. Vous pouvez imaginer que je vais quitter mon ancien, je vais quitter mon pasongi. Je vais quitter mon ancien, je vais quitter mon ancien. Donc, vous allez comprendre que mon ancien, c'est comme si ma vida qui est, même quand il est invoqué, donc, voilà un peu. Je ne suis pas en train de défendre ses pratiques, mais je suis en train d'expliquer ce qu'il était. Vous comprenez? Il ne faut pas dire que moi aussi j'étais là. Mais qu'est-ce qu'il a apporté en République démocratique du Congo, Mwanase? Non, ou, madame. Quand vous dites que qu'est-ce qu'il a apporté, Mwanase n'a jamais géré. Mwanase Nkobi député, là, il a apporté beaucoup de réformes. Je parle en tant que député. Oui, il a apporté beaucoup de réformes à l'Assemblée nationale. Poser la question à Denis Sanga qui était président PAG. Poser la question à Vital Kamerhe qui était président de l'Assemblée nationale à cette époque-là. Mwanase Midaye, c'était parmi les meilleurs parlementaires en 2006. Vital Kamerhe vivant. Au moment de la vidéo, Tambola, comment est-ce qu'il expliquait le Congo dans Moutou? Comment est-ce que nous-mêmes, Vital Kamerhe, tout ça, c'était avec Babouvier. Vous comprenez donc? Il a beaucoup apporté, mais seulement que beaucoup n'ont pas crié à son combat. Les gens le prenaient comme une maladie mentale, comme un fou. Donc les gens ne croyaient pas en lui ce qu'il disait. Du fait qu'il était aussi même trop attaché. Les chefs de l'État ne croyaient pas en lui aussi. Il faut quand même raison pour laquelle, lorsque Kabila l'a réussi en 2016, Kabila l'a dit, mais beaucoup de gens m'ont demandé de t'arrêter même. Là, le président Brazzaville m'a demandé de t'arrêter, mais quand j'ai parlé avec toi, j'ai compris que tu es un homme calme. Donc, de loin, les gens pensaient que c'était un homme trop agité, un homme conflictuel, mais par après, ils se sont rendus compte que c'est un homme très calme, un homme coopératif. Voilà pourquoi il a même accepté. D'ailleurs, n'oubliez pas, je vais vous le dire aujourd'hui, celui qui a sauvé ce pays, c'était Mwanase. Pendant que tous les opposants ne voulaient pas de Kabila, ne voulaient pas accepter la transition, c'est Mwanase qui a pris le courage de dire que il faut aller dans la transition. On a reçu Mboka. Même l'IDPS ne voulait pas aller dans la transition. Bah, dynamique de l'opposition, c'était des Kamerhe, des Lingankoyi, des Failou, des gens de Sebou, ça ne voulait pas. Mwanase a sillonné le Congo pour prêcher dans la bataille. Il faut sauver Mboka. On a battu mon angote. On a s'accaparé dans le dialogue en 2016. Mais c'était Mwanase. Vous vous souvenez même, il a été objet, il y a un complot politique, il a créé même un groupe, puisqu'il a été en train de se faire. D'accord. Mais qu'est-ce s'il était encore en vie, il n'y a qu'un invalide, parce que dans mon bout, tout le monde a été le Kanakatia Est, il y a un bon Kanakatia Est, il y a vraiment que dérangé quand même, il y a un grand nombre de Congolais, surtout il y a vivre problème, il y a un peu de vie, il y a un peu de vie, il y a un peu de non, bon, il faut jamais, on peut jamais prédire si est mort, il est déjà mort, il a fait ses non, mais je dis ça parce que vous allez qui naïe boé ben ma canne, boé ben qui est allé à fort naïe. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que sa mission s'est arrêtée là-bas. Hein? Le maître des terres des circonstances, le maître des souffles et des vies, c'est Dieu. Dieu l'a retiré de la terre des vivants. Donc il y a un profit, mais mieux ça peut être profit. Non, ma gamme, profitez. Mais l'eau, on y a un successeur. Et mon ancien, à Koufi Bongote, il avait déjà préparé un successeur. C'est à nous d'approcher ce successeur qu'on appelle l'honorable Papi Mantezolo. C'est lui qui est le successeur officiel de mon ancien, qui a été consacré par lui-même. Mon ancien, les 4, je donne même la date, hein, le 4 janvier 2016, dans Palais Royal. Palais Royal, on a ma campagne, on appelait Palais Royal. C'est là où il a été consacré comme le dauphin politique et idéologique de mon ancien. Donc, si vous voulez bénéficier du combat, tout comme bénéficier de l'intelligence ou bien de la mission de Mwanase, ça s'incarne à partir de Mantezolo. C'est qu'il s'agit de l'approcher. Il y a eu Bissayou Mtoala. Comment vous analysez la situation de l'Est? Tant où il y a eu Koufaki, il y a eu Tchadi Badisciple. Bato Baebisa, paralytique, il y a qui prend ton lien, marche, il y a qui j'hésite. Il y a qui Pierre Najan. Ça veut dire que si vous voulez que la mission de mon ancienne et s'attendre partout dans le Congo, une mission à Jésus, comme elle est dans les extrémités de la terre,
On avait approché les disciples qui étaient les Pierre, les uns et les autres. Il faut également approcher Papi Mantezo pour comprendre. Alors, je vais également donner une information. Mon ancien d'ailleurs, il sera enterré aujourd'hui. Il y avait un petit retard. Sept corps et Bimaka déjà. Chef d'État quand même a déposé chef de frère. Il y a un niveau, il n'y a pas parlé du peuple. Mais ils ont qui m'ont retard parce que il y avait un petit problème dans le comité d'organisation. Ils avaient établi un programme ça pour tenir compte. Il y a le préalable. Le préalable, c'était le chef. Parce que mon ancien a été enterré dans le bon gouvernement. Le chef d'État avait ordonné. Il a été enterré. Il n'est pas bon, enterré. Les obsèques où il est enterré dans le bon gouvernement. Le gouvernement a tout mis en œuvre pour que. Donc, il y a un franc. C'est qu'il y a un talent qui est dans l'hôtel là-bas. Il y a un programme qui est à partir de mausolée. Au Babassé, il y a un mausolée dans le Tchoukoumalo, dans le Mbokanaé. Babongi Sinjela, Kouta Parti, Yalouzi, Tino Komana Secteur, Mongoloala. Tout ça, c'est le gouvernement. Aussi, Bazo Tongele Monument. Là, c'est Batonga, Koukwa, Louzi, Bazo Tongele Monument. Tout ça, c'est le gouvernement. Donc, merci au président de la République pour avoir honoré les Nekongo. Nous confirmons que tu es vraiment notre ennemi. C'est vraiment notre ennemi. Parce que les Nekongo, là, tout n'est qu'on reprend des gars. Parce que les Balouba sont les Banévés de Bakongo. Cette fois-ci, les Nekongo, je ne veux pas avoir place quand même. Non, on rentre dans voilà. Tout ça. Au gouverneur, ils font un Nekongo. Hein? Non, les depuis que le Congo est Congo, les Nekongo ou les Congo s'entendent, n'a jamais eu un problème. Mais c'est ça le problème. C'est pourquoi nous profitons également de lancer un appel. Vous avez vu lorsque Kassavou va gérer ce pays, ceux qui m'ont retiré la mission à son ici, et l'économie m'a attaqué. Ça dit, non, mais c'est ça. Non, moi je suis dans la logique, même si l'IDPS peut garder la primatique comme première force politique du Congo, mais l'IDPS doit choisir un Nekong. L'IDPS a le Nekong, prenons comme quelqu'un comme Koko Samba. N'habite qui peut remettre en cause ma compétence à Koko Samba. Il a également travaillé dans le gouvernement, on connaît les résultats. Basé Bélé, il dépèse même Wameso. C'est un Nekongo qui est de l'IDPS. Il dépèse. Gouverneur, il y a Kinshasa. Ouais. Bon, gouverneur Kinshasa comme Nekongo. D'ailleurs, parce que Bandoula Girango, ça fait, je crois, plus de deux décennies. Il sera aussi important, Nekongo Azango. Nekongo, on a quatre, il dépèse, parce que c'est l'IDPS qui est également majoritaire. Libé, vous avez dit merci, ma Ibandiluanga, qui est également Nekongo. Vous avez aussi Yves Bukulu, qui est Nekongo, je crois. Il dépasse peut s'organiser. Il n'y a pas de nez. D'abord, Dieu merci à Ibandiluanga pour avoir été boukoumesse Yangalema pendant, je crois, plus de 5 ans déjà. Il a la maîtrise de la ville de Kinshasa. Parce que moni, au Yangalema, pas mes alors la Congo Brazza. Donc, Dieu merci à la capacité de même gouverne, chef d'État à Brazza. Parce qu'il a géré quand même commune Yangalema. Alors, comme il connaît la réalité, il a géré la territorialité. Il a organisé des conseils de sécurité, conseil de sécurité municipal ou local. Il a géré les administrateurs, tout ça, bah, servi de concentré. Il connaît aussi, difficulté, en même temps, demande à niveau ville à Kinshasa. Alors, pour avoir participé également dans plusieurs réunions, il a pouvoir s'entraider comme ville à Kinshasa, il a au moins la maîtrise, il y a cartographie à Kinshasa. Je crois qu'il ne viendra pas apprendre pendant longtemps, mais peut-être qu'un état délié de 6 mois, il aura déjà la situation générale à Kinshasa. D'abord, on se passe une mission, le roi Kassavou, vous voilà. Donc, non, sur l'état. Quand on a une émission, ce qui va s'élever, c'est un non-Nekongo. Tous allons en Ngobila, il sera plus pire que Ngobila. Mais ce qui va s'élever, c'est un Nekongo. Je ne vais pas dire merci à Diabanda. Ce qui va s'élever entre Moko na Bango, Kinshasa et Gozala, Berlin. Dans l'Allemagne d'Afrique, Kinshasa et Zala, Berlin. Quand on a une émission, pour que mon salaire a fonctionné à Kinshasa et Gozala, triplé. Voilà, ce bâtiment n'est pas Congo. Bon, déjà le 20 à janvier, Kinshasa, c'est déjà salaire. Na. Donc, là, vous avez les 30 cités déjà qui sont en banque. Et puis, les salaires, vous allez bancaniser. Ce bâtiment n'est pas Congo, bon, on a poubelle. Ce bâtiment n'est pas Congo, bon, on a ma poubelle. Zéro truc comme ça.
Soyez battez le Congo. Qui t'a fait la capacité à budget à 200 millions de dollars? Qui t'a fait un budget à 6 milliards? Mais c'est possible avec un Néko. 6 milliards. Mais je vous dis, qui t'a fait beaucoup d'argent? C'est possible avec un Néko. Comme les apôtres, ils dépêchent. Assez les règles qui ont été en Kassayen. Assez les règles qui ont été en Kassayen diaspora. Et puis moi, ça m'étonne. Non, on a eu des pestes, on a vu que ceux qui ne sont pas contents, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui sont contents, ceux qui sont contents, il n'a jamais été de mis des pestes. Donc vous voulez sacrifier pas les mêmes pour les gens qui combattent. On même va travailler. Vous pouvez savoir une diaspora. Mais il a la capacité. Quelle capacité? Il y a une chômeuse. Demi salarié, il y a une chômeuse à la combien? À la 80 dollars. Mais il y a même une agence à pub dans le Congo. Notre agence, c'est une diplomate et il y a un Congo. Agence a mené à plus besoin de diplomates. Et il y a un Congo. Vous voyez bien, on ne peut pas faire ça. Et ça, on a première rue. Agence, il n'y a plus de la même. Pour mener agence, il y a trois panneaux, mais l'agence, il y a bien plus. En tout cas, il y a un conseil de PC. On a autant de combattre, pour s'organiser, pour tirer un Congo. Parce que si on a tiré un non-Congo, j'essaierai d'opposer le gouverneur de Kinshasa. Bandana ne bandeli ti mandana ici là. Je crois ça malamu, mais un problème il y a comment dirais-je? Un problème il y a moralité. Excusez-moi de le dire. Je crois qu'au fin au moins que je crois finir boumer c'est bandal. Yo mais yo zomba yo tant un chef ne peut pas regagner la collaboration de Moussa Batou. C'est-à-dire je vois dans mon problème, mon ami, il peut être bon. Mais seulement qu'il faut tenir compte de la situation géopolitique. Il y a Kinshasa. Alors, Natiribal Nakanabino, Botianyoso Boulingi, mais si vous voulez également les changements, vous mettez un Congo. Ça sera parlons bon de la nation, tu qui pétition Moro, vous beaucoup de pétition Moro contre Kilimbalima, Naébité. Parce que Moussa là, oh, ils allaient quand même pour ça, ils allaient pour protéger la nation, la vie. Ce bon côté, on a besoin de développer sa réponse. Les locaux à quoi à l'interdire, bana, il y a mon tobacco dans la boule, et ça, il y a des problèmes. Oui, mais qui va tout bas, la moto, va t'en mousser à moto, comme à la moto. Au moins, Kilimbalim va commis qu'aux zones qui s'habitent sur la mitou, tout comme à Kokani, ça casse son goût. Alors que Kassongo, tout ça, n'a qu'à Kokani, ça casse son goût. N'a ni Bokani, ça casse son goût. Omoni Kassongo magasin qui est un peu voyou, mais Kassongo blou nous sommes au sala moté par rapport à Kilimbalimba au sala. Maman, dans matière il y a automobile infrastructure à la gâte. Le benga on va contravention. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas l'individu qui est d'abord visé en premier plan, c'est le monteur automobile qui est visé. Il y a benga on contravention. L'individu ou le conducteur peut être visé en cas d'accident. Parce que là, maintenant, il peut y avoir Bordeaux, il peut y avoir blessé, il peut y avoir des casses, il peut y avoir des dommages corporels. Là, maintenant, vous visez un individu pour répondre à acte pénalement. Mais vous allez vous rendre compte que la responsabilité civile, les gens qui ont assuré, et qui ont assuré, tout comme les gens qui ont assuré, c'est la propriété et l'enjeu. Alors, quelle est l'infraction au moteur pour mettre, au conducteur à moteur pour mettre soit côté gomme? Kilimbalimba ya tangi droit. Aza bidok na droit. Aza licencié, aza avocat, aza nyonso. Pour Kilimbalimba la ki ba compétence nyonso. Na ebi na qualifié, na ebi domaine de formation na été, mais na moni Kilimbalimba ebi nyonso. Alors, aib sabiso, mouta kumbi mouta koti gombe, asa l'infraction. Donc vous êtes d'accord na ebi. Deuxièmement, mouta ba memi passager, asa l'infraction. C'est que Kilimbalimba ça là, il y a un petit enfant qui dit on va qu'il est en prison. Arrestation arbitraire. Détention illégale. Kilimbalimba c'est un OPJ. Il est général dans le cadre des armées, mais il est OPJ quand il inscrit les dossiers. Alors comme OPJ il est soumis à l'autorité, il y a parquet. L'autorité a procureur. Kilimbalimba qu'est-ce qu'il devait faire? Nakandi ba moto. Comme ma moto en a, vous comprenez? Et ça, et commettre ma forfait, ce que ça a la compétence de la ville à Kinshasa, agent déjà un cahier, a mis ici ma note de perception, ma tête va foutre la banque. Tant que vous avez libéré ma moto en a. Vous comprenez? Alors,
Au moins, il m'a quand même qu'on garde Batou. Obama tel pour la moto. Nous nous disons que le chef d'État est en train de prôner un état de droit. Et il a dit bien dans son discours et investiture que l'erreur a passé et qu'on s'est répété le sous-souté. Mais il y a un peu bien dit, oui, bien haut. Non, on est là comme sous-sous. Mais Gombeza le quoi quand même. Gombeza ni. Gombeza, Eza Braza. Gombeza la gouverneur Moussous. Gombeza la gouverneur Moussous. D'abord, si ça concernait que Gombeza n'a même pas compétence à Kilimbalimba, parce que c'est la compétence, il y a commissaire, comment dirais-je, commandant à Gombe. Parce que Kilimbalimba, ils ont géré ville. Vous comprenez? Donc, nous avons été saisis, nous avons été consultés plutôt par un groupe de compatriotes, entre autres, les pères Koubangi là-bas en Akati. Nous sommes en train de préparer une plainte que nous allons déposer à l'auditorat général, chez l'auditeur général, l'Ikulia, contre Kilimbalimba. Pour n'avoir pas acte, n'est pas ce que c'est le collègue de mes côtés. Ce qui a emporté dans les politiciens, c'est qu'il y a un responsable. Mais il y a quand même un Congolais qui est moins élégant. Il y a un peu qui est dans ton moto. Mais il y a un type ma papa. Il y a un type ma culotte. Madame, en droit administratif, nous avons ce qu'on appelle la police administrative et la police judiciaire. La police administrative, c'est la décision prise par l'autorité administrative où ils ont réglementé le secteur. Ce qui police, gouverneur, ton ministre de transport, peut prendre un arrêté ou bien notre circulaire. Comment est-ce que motocycliste a gombaru qu'on s'est comporté? Même pas gombé partout. Folata, peut-être Rolata boit cassette, Rolata singlete, Rolata kilotite. Kilimbalimba, comme police judiciaire, ne peut qu'exécuter l'acte réglementaire pris plutôt par l'autorité administrative. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas l'État. Pardon? L'État a terrain dans pourquoi? Bon, Kilimbalimba, à un moment donné, il bloque à la Nakala, qui est censé être écouté à gombété. Mais au moins, qui m'a comme à Eba qui m'a dit, 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 non, mais son gouverneur de récupérer les choses en main. C'est lui le gouverneur. C'est lui le gouverneur. Qui m'a dit, comme qu'on dictait la loi, qui est là pour exécuter la loi. Vous comprenez donc? La population doit retenir. Et nous en informer également, là-bas, tout y a moto. Prenez les numéros que vous allez appeler, 089 50 711 90. 089 50 711 90. Lorsque nous irons déposer cette plainte, donc, il y a un motocycliste. Vous ne pouvez pas donner le numéro, hein? Prenez les numéros des motocyclistes. 089 50 711 90. 89 50 711 90. Donc, vous pouvez déposer plainte, tu vois, il y a un motocycliste, c'est pour leur manifester mes contentements. Parce qu'actuellement, il est impossible, c'est même pas difficile. C'est impossible que ça monte la Gombe. Je vais vous un exemple. J'aurai la tronçon, il y a, comment on appelle ça, Tombalbaye. À partir de Ifasik, ceux qui ont des motos, transport et taxi à la tête, on peut les gars la moto. Moi, ce que je peux demander aux autorités de la ville de Kinshasa, parce qu'il ne faut pas seulement critiquer, il faut proposer. Je propose aux autorités de la ville de Kinshasa, il n'est jamais tard pour m'y faire. Prenez un arrêté, réglementer les secteurs de la motocyclisme à la Gombe. Exiger à ma motocycliste, c'est accoutrement d'abord. Et puis, si nous me relaxons, c'est quoi, monter à Gombe. N'a été bon ça, on a plaque. C'est pas qu'il n'y a pas la décision routine. N'a été bon ça, on a plaque, on a plaque spéciale à Gombe. N'a été bon ça, ma condition, on ne faut pas remplir. Bah, elle va remplir ma condition, à foutre ma bombe, on a vraiment battu tout ça. Voulait donner des conditions. Et bon, t'as un peu moralité à moto. On a, peut-être forcément au niveau d'études, à ta diplômée d'État. Ça peut être des conditions. Moutaya a rempli ma condition, mais si vous voulez le faire, c'est aider aussi la population. Quand vous voulez une minute aux autres transports, quand vous voulez une sorte de vie 5 000 qui souffrent, c'est nous la population. Nous avons besoin de girofards, vous avez besoin de vous avez laisser passer, vous entrez comme vous voulez, mais la population de vous gérer. Là, on a mon, je crois, samedi, on a mon jeep, on a mon moto, on a Gombe, on a mon tout le monde, ah! Est-ce que va faire des si balandaka ba 23 boue? Et ça la question même tourner une habine limité. Donc ba ta moto ba za ba to ba ida ki pe pouvoir lorsqu'on était dans l'opposition,
la revendication de l'abysse des citoyens congolais. Oui, mais ne le prenez pas. Obligé de obligé du bango, basse ma plaque, ma comme la plaque, bango n'yosso. Obligé à bango basse ma casque, le nom de Dieu sans la casque. Attends, ce que là, tu te sois comme ça, voilà, j'ai allé à tes casques, n'a moutou pas les cas. Donc, moutou n'yosso à la casque. Mais pourquoi pas aussi les obliger, moutou va compter pour que ma coute à gombe. C'est ça l'État. Hein? Gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est anticiper. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir des dirigeants à pépiste, des dirigeants apprentis. Sinon, tu rejoins à 20 ans passé. Alors, pour terminer, le président Félix Tshisekedi, est-ce que sera-t-il à la hauteur cette fois-ci? Oh, maman. Si, sera à la hauteur. Mais là, déjà, il était déjà à la hauteur dans le premier mandat. Oh, non, en fait, la deuxième mandat, c'est qu'il faut beaucoup attendre les appuis pour parachever Babiloré Bandaki. Premier mandat, il y a une fondation. Premier mandat, il y a une fondation. 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 Il y a dollars Ce boulot, les finances, l'économie, le quoi, Boran, le ministère, il y a fixation des prix seulement. Or, l'économie, ce n'est pas seulement les prix, c'est la stabilité dans tous les secteurs de la vie. Alors, le ministre de l'économie, ce boulot, la finance, il y a un plan d'économie, l'économie, en boka, mais il n'a pas les moyens. Quand on a un ministre de la finance, ceux qui ont un ministre de la finance, ça peut être bloqué. Dans tous les pays du monde, les finances sont toujours et sont en économie. Économie et finance, il y a même commission ECOFIN. C'est-à-dire économie. Il y a perdre, à perdre perdre poste. Il y a Vital Kamir de l'économie et finance. C'est exemple. Oui, c'est-à-dire que tout le monde retient l'économie. On ne cite pas l'individu. Tout le monde retient l'économie. Parce qu'il y a une finance et un résultat. Ce résultat, à moins que tu aies un bon, si tu as un cop, ça va. Mais si tu as un résultat, qu'on veut être exigeant, c'est qu'il faut que tu aies une finance. Ça, c'est ma proposition pour que tu espères. Deuxièmement, pour que les pays avancent, les pays fonctionnent sur base, il y a besoin. Moi, je suis de ceux qui pensent que ma faculté, il faut que je suspende dans un premier temps. Ma faculté, c'est dans l'université. La faculté, le coup, les droits, sa militaire était suspendue. Faculté, il y a sens politique, sa militaire était suspendue. Pourquoi? Faut me poser la question. Pourquoi c'est ça? Pourquoi? Les pays fonctionnent sur base, il y a besoin. Actuellement, les besoins du Congo, c'est quoi? Toi, on a besoin plus, il y a tout ça, la bilanga. L'agronomie, l'agriculture. Donc, tout ça, c'est un deuxièmement. Non, tout ça, déjà, bien dans le marché. C'est-à-dire, même ceux qui. Tu as même dans l'eau, il y a plus de 10 000 personnes au nord de côté Saint-Martin. Donc, toi, la pour ça, toi, non, ils ont besoin de. Deuxièmement, payer un procès à l'ingénieur, pas de basse polytechnique, pas de basse chimie, pour pas aider comment, avec les minéraux qu'on a, comment créer l'ISAS, comment créer bombes, comment créer ma hobby. C'est ça les besoins du pays. Et les pays ont également besoin. Na bateau ba kozala ba koya ko appuyer service à sécurité na terre na ouais. non ba médecin ça permanent ben faut médecin ça permanent mais sens politique je peux vous dire que l'on a une équipe dans la faculté à polytechnique est-ce qu'on a combien même pour conseil va assouder on est en train de tuer les pays. Troisièmement, je peux proposer nos ambassadeurs bas à la table ambassadeur puis ça va visiter vous êtes ambassadeur pour répertorier tous les Congolais au bazo vana bazo tanga na ba pays wana. Vous avez combien de Congolais qui habitent, qui étudient en Chine? Combien de Congolais vont autant en États-Unis? Combien de Congolais vont autant en Inde? Qu'est-ce qu'ils ont appris en Inde? Et comment capitaliser cette intelligence artificielle dans une pays Libanda où ils ont avancé dans la technologie? Comment les exploiter ici dans le Congo? J'ai rencontré un jeune homme atteint en Chine, dans un master en Chine, mais il n'a pas eu comme interprète à la chinois. Il m'a montré ce qu'il a fait à ingénieur dans génie civil dans la Chine. Mais alors, comme l'interprète à la chinois. Alors, comme ça, on a interprété à la chinois. Mais est-ce qu'il y a un problème d'homme? Il n'y a pas un problème de. Je trouve qu'il y a un problème. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire, non? C'est ça. Il y a un interprète à l'ambassadeur. Et il y a un interprète à la visa.
mais répétez aussi hein, les produits là où il y a le Libanda, comment pour capitaliser Bango. Pour finir, voilà. Par rapport à la formation au gouvernement, hein, quelle tête que vous voulez voir? Je peux vous proposer, là, si vous tenez à ce gouvernement, j'ai mon gouvernement en tête. Monsieur Glodé a proposé quand même. J'ai mon gouvernement en tête. Moi, je peux vous proposer. Oui, dégueu, c'est comme ça. Mais vos positions n'ont heureusement en compte. En fait, le Congo a plus besoin de patriotes. Moi, je suis laissé. Je ne vais pas diriger mes soins. Je ne vais pas diriger mes soins. Non, il est dit, il y a un rôle de chef d'État. Chef d'État, il y a un gouvernement qui est un gouvernement. Il y a un gouvernement qui est un gouvernement. Les warriors sont un warrior. Donc, comme un warrior est simité, est-ce que vous mettez à Gauloate? Merci, l'émission est finie. Au revoir.